qu'on avait senti ce mardi. But the anointing that we felt on Tuesday. C'était resté ici encore. Je l'ai senti encore. Amen. It's still here and I felt it. Et right je here. Le sens encore. And I'm still feeling it. J'ai eu peur quand ça. On a commencé à me donner les noms pour aller toucher. Je me suis dit, ah, ça va aller pas. Ça va aller loin parce que comme je n'ai pas la panique, je me suis dit, si je dois faire des services, c'est chaud. So I was a little bit scared when the Lord asked me to pray for someone to touch. I said, ah, I'm not going to do service today because later I will be going to Paris. Mais nous sommes bénis. We are blessed. Et une présence de la salle. There is a strong presence of Holy Spirit in the hall. Et je le sens encore. And I'm still feeling it. Que Dieu vous bénisse les choristes. May God bless the choristers of the Lord. La vous chante. Que je faisais la sainte scène là-bas. When I was making the Lord suffer over there. Je parlais en langue là-bas. Et jusque là, je le sens. Je le sens. I'm still feeling it. Hallelujah. Merci beaucoup pour ta présence. Je suis dans le sang. Thank you, Holy Spirit, for your presence. En fait, il y a un puits d'eau. Il y a un puits d'eau. So there's a tap of water. Un puits d'eau. A well of water. Voilà. Qui a a well. Tout s'est mouillé d'eau. Hallelujah. We are also. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. À Dieu. Amen. Amen. Alors, le titre de mon message. The title or the topic of my message. Comment se comporter après le jeûne. How to behave after the fasting and prayer. Comment se comporter après le jeûne. How to behave after the fasting. Bien-aimé le Seigneur. Dear brethren. Il est de mon devoir d'enseigner toutes ces choses. So it's my homework or my duty to teach us these things. Merci frère Jeff aussi pour ton témoignage, que Dieu te bénisse. Thank you brother Jeff for your testimony, may God bless you. Et merci aussi pour le temps d'intercession que nous avons eu. I will also thank God for the time of intercession, the prayer session. Que Dieu soit loué. Amen. En fait, ceux qui ont peur de venir à l'église, ils ont peur de rien en fait. So those who are afraid, they are afraid for nothing. Il n'y a pas que le coronavirus comme maladie. It's not only coronavirus as a sickness or one will die. Normalement, j'ai assez prêché là-dessus pendant qu'on était dans les confinements. So I preached saying it will get in. Shut down. Il y en a avant le coronavirus, c'était déjà malade. There are some before the coronavirus, they already sick. Il y en a avant le coronavirus, avait déjà le diabète. There are some they already have diabetes. Le mot de tête à répétition, le mot de ventre, je sais pas. Some already dead before coronavirus. Il y en a avant le coronavirus, avait une ou une autre maladie. Hein? Donc, ne pas venir à l'église parce que tu te dis que, ah bon, il y a des coronavirus là-bas, pour moi c'est mal réfléchir. So, for me, I believe, and you don't understand, or you don't think it well, that because of the epidemic, and you don't want to come to church, no? Even the transport will stay there, president. Le barrière de... Les barrières sanitaires que nous prenons, de toute façon, c'est normal. Il faut respecter ça. It's not normal to respect the rules, the distance, also with the mask. Mais ne dis pas que tu ne vas pas venir à l'église parce que nous on est malades, toi tu es propre, c'est un mauvais raisonnement. I don't know why you say you are not coming to church. Maybe when you are coming to church, you are sick. It's that is well. So. Hallelujah. N'ayez pas peur, je vous encourage. So please don't be afraid. The best security is our Lord Jesus Christ. En respectant tout simplement un geste de barrière et puis voilà, c'est tout. Notre Dieu est au contrôle. Our God is in control. Still respect the distance. Hallelujah. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, dear brethren, comment se comporter après le jeûne? How to behave after the fasting? Pendant le confinement, pendant les études bibliques, j'ai expliqué c'est quoi le vrai jeûne. So during the shutdown, the lockdown, or the confinement,
through fasting. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, très souvent les enfants de Dieu, often the children of God, après le jeûne, after fasting, ils rentrent tout de suite dans la distraction, ce qui est une mauvaise attitude. So after fasting, they are always in distraction, and that is a bad habit. Voilà pourquoi je vais vous expliquer bien dans le Seigneur. So now you want to explain, dear brethren, comment monter à la montagne. How to go to the mountain, et comment descendre à la montagne. And how to ascend the mountain and how to descend from the mountain. Très important à savoir. It's very important to know. D'abord, quand on monte à la montagne, so when you go to the mountain, tout le jeûne que nous faisons, all the fasting. Vous m'entendez bien? Il y a... Ça va, c'est bien. Bien. Ok. C'est bien réglé maintenant le micro. Hein? Ok, c'est bien. Donc, à chaque fois, pour aller à la montagne, il y a un objectif. So, anytime you are sent or you go to the mountain, there must be an objective or purpose. Voilà, il y a un but qui nous amène à la montagne. So, there is always a purpose. Why you ascend or you go to the mountain? That is why you fast. Pourquoi, bien-aimé par le Seigneur, il ne faut pas négliger avant le jeûne, pendant le jeûne et après le jeûne? So why you don't need to neglect after the fasting and before the fasting and when you are fasting? Alléluia. Amen. Ah, c'est parce que nous ne comprenons pas les choses spirituelles et nous négligeons les choses spirituelles. Because we do neglect spiritual things. Je vais très bien expliquer ça aujourd'hui afin que quiconque qui monte à la montagne, monter à la montagne c'est une expression, je vais expliquer ça ici. Monter à la montagne c'est une expression pour nous les chrétiens qui veut dire tout simplement aller à la rencontre de Dieu par le jeûne. So, I was saying very well for us today that when you are to the mountain is that you are going to meet Jesus Christ through your fasting. Alléluia. Amen. Tu peux aussi monter à la montagne sans être en jeûne, hein? Mais tu as une certaine, tu as un objectif, tu te mets en condition pour aller à la rencontre de ton Dieu à la montagne, présenter des requêtes. So you can also go to the mountain to meet God. You can also go to meet God without fasting. But with fasting is more. That is more conditional. That is more that, oh, I want to go and meet God with this my request, with this situation. Let me also. It's more efficace, you know, with your fasting to meet God. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Nous allons bien comprendre ça ici, bien-aimés dans le Seigneur. We are going to understand it here, dear brethren. Exodus chapter 3. Regardez pourquoi nous montons à la montagne. Look at why we go à la rencontre de Dieu. Look at why we do go to the mountain to meet the Lord. Ça c'est d'abord avant. This nous sommes dans Exode chapitre 3. Exodus chapter 3. Je vais commencer à partir de verset chapitre 2, verset 23. Exodus chapter 3. Non, chapitre 2, verset 23. Ok. Exodus chapter 2, verset 23. Ah, juste 24. La Bible dit ceci. Exodus chapter 2, 22 to 24. D'habitude, nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Please, let's come up to honor the word of God. Comme je pars à Paris, je vais faire moi-même tout pour gagner du temps. Ah, excusez-moi. So, please, let's come up to honor the word of God. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit d'habitude, on s'élève pour honorer Dieu. Là, on lit nous tous ensemble. Mais comme je pars à Paris, je lis moi-même pour gagner du temps. Il faut rester debout. Ok, yes. Allez, vous voulez. Please, let's pass your edit alone. Ah. Longtemps, je suis Exode chapitre 2, verset 23. Exode chapitre 2, verset 23 et 24. Amen. Amen. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. Then the children of Israel groaned because
And they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. Dieu entendit leur gémissement. So God heard their groaning. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. And God remembered his covenant with Abraham, with Isaac and Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. 25. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. Alléluia. Compassion. God had compassion on them. Alléluia. Pity on them. Parole du Seigneur. The word of the Lord. Nous pouvons nous asseoir. You may be seated. Donc, bien aimé le Seigneur. Dear brethren, ici, dans ce contexte, in this context, Moïse ne monte pas encore à la montagne. Moses did not yet this ascend to the mountain. Avant. Before. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Il y a un problème qui se passe auprès du peuple d'Israël. So there is a problem in the midst of the people of Israel. Qui était en Égypte? That when they were in Egypt, ils gémissaient. They were groaning. Ils criaient. They prayed. Ils souffraient. They were suffering. Et ces cris-là sont montés vers l'Éternel. And that cry came up to the Lord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? C'est pareil comme toi, bien-aimé dans le Seigneur. Likewise, dear brother. Il y a un problème dans ta famille. There is a problem in the family. Il y a un problème dans ton église. There is a problem in the church. Il y a un problème dans ton pays. When there is a problem in the country. Il y a un problème avec tes enfants dans la maison. When there is a problem with the children at home. Alléluia. Amen. Et à partir de ce problème-là, je vais bien expliquer. So I want to explain it. À partir de ce problème-là, from that problem, Dieu entend le cri. Then God heard the cry. Alléluia. Amen. Et quand tu es un leader, oh, when you are a leader, je m'adresse aux papas qui sont les chefs de famille. So to the father that is the head of the family. Ou les mamans qui prient beaucoup. Or the mother who pray a lot. Alléluia. Ou quelqu'un qui prie beaucoup dans la famille. Or the one that who pray a lot in the family. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Dear brethren, comme Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. As God never abandoned the works of his hands. Il va, il importe comment tu gémis. So that's the took here how you are growing. Il importe comment tu gémis pour ton titre de séjour, pour ton mariage, the way you are growing. Pour les études de tes enfants. Your worthiness. Alléluia. For your master permit, for your children's studies. Alléluia. For your life. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Is somebody understanding? Ça c'est avant le jeûne. That is before the fasting. Alléluia. Voilà pourquoi. Why? Pour les gens qui sont connectés, qui sont en alliance avec Dieu. For those who have been connected and in covenant with God. Le Dieu de la Bible qui voit dans le secret. The God of the Bible who sees in secret. Ton cœur quand tu gémis dans la chambre. Your heart when you weep, when you groan. En réalité, in your room, your secret place. En réalité. In reality, le jeûne ne devrait pas venir de toi. The fast is not to come. Expérience moi, Pasteur Victor Macon. So that is my experience, Pastor Victor Macon. Le Dieu qui est en alliance avec moi. The God who is in covenant with me. Il va venir me révéler dans les songes. Then you have come and reveal to me in dreams. Très souvent. C'est comme ça que je suis habitué avec mon Dieu. So that is how I was with my God. Révélé dans les songes. You come to reveal to me la situation d'un frère ou d'une sœur dans l'église. The situation of a brother or sister in the church. La situation dans ma famille. The situation in my family. La situation dans l'église. The situation in the church. La situation dans le pays. The situation in the country. Que peut-être vous-même vous ne savez pas. Maybe you are not aware. Parfois il va me montrer, je suis en train de dormir ta paix. Sometimes show to me that I'm sleeping. Parfois, il montre que je suis à genoux. Sometimes on my knees. Alléluia. Amen. Et parfois, il me montre que je suis dans l'église ensemble avec le bien-aimé. On est tous par terre. Sometimes show to me that we're in church with the members. Je comprends le langage de Dieu. Understand the language of God. Quand il me montre que je suis Sa propre volonté. It's not by the will of
Moses. Moïse, chapitre 3. Moïse faisait paître les troupeaux des Égyptiens, son beau-père, sacrificateur de Mandiens, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father's in-law, the prince of Midian. And he led the flock to the back of the desert. And he came to Horeb, the mountain of God. Est-ce que vous voyez Moïse commencer le jeûne par lui-même? He used to Moses to be fasting by himself. Mais à la montagne, au mont Horeb. So he went to the mountain in Mount Horeb. Il dit, regarde, maintenant c'est clair pour vous, Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the leaves of the bush. So he looked and behold, the bush was burning with fire. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. But the bush was not consumed. Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight. Why the bush does not burn? Alléluia. Amen. Une grande vision. This is a great vision. Qui voit ça? C'est Moïse. Est-ce que le peuple voit ça? The people saw this vision. No, it's not that saw the vision. C'est Moïse qui voit la vision. Alléluia. Amen. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Mais voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said « Moses, Moses !» And he said, yeah, I am. Then he said, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Alléluia. Comprenez-moi bien. Understand, dear brethren. Avant, il y a une situation. So before, there was a situation, difficult situation. Okay. Après, Dieu se révèle dans la vision. So let us go now revealed in vision. Alléluia. Amen. Maintenant, bien, bien, regarde. Now, look at. À chaque fois que vous jeûnez, so anytime that you fast, ça c'est mon expérience avec Dieu. Je pense que tu as l'expérience aussi avec Dieu. So this is my personal experience with God. I also believe that everyone has this personal experience with God. Normalement, ce que moi je sais. Normally, what I know. Quand vous jeûnez, when you fast, Dieu donne les conditions. God will give conditions. Comment va se passer le jeûne? How the the fasting is going to happen? What is going to happen? Alléluia. Dans l'état de Moïse, in the aspect of Moses, on commence à lui donner les conditions. Instead of giving the conditions, je dois bien vous préparer le peuple de Dieu, comme ça il n'y aura pas de pagaille, même quand vous-même vous gênerez. So I need to teach us very well that when you read also we are fasting, but there is not going to be division or doubt. C'est le message que Dieu m'a donné bien aimé dans le Seigneur. This is the message God gave to me. Parce que je vois beaucoup de gens négliger le jeûne et les font n'importe comment dans la pagaille alors que tout le temps. So I can see people do neglect fasting and they are even contemplating on it. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Dieu commence à donner des conditions. Comment tu vas te comporter pendant le jeûne et comment tu vas te présenter devant lui. So God is not giving conditions how you are going to behave during the fasting. Alléluia. Before the Lord. Alléluia. Parce que tu ne vas pas chez n'importe qui, tu vas chez le Dieu créateur. Because you are not going to meet anyhow, you are going to meet the Creator. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham and the God of Isaac. And the God of Jacob, and Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Alléluia. Ici, Dieu est en train de donner les conditions. Yeah, God is giving the conditions. Pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. For me, dear brethren. Dieu peut te montrer dans la vision ou dans les songes que tu étais couché par terre, donc tu dois venir par terre. So God te montre les conditions. So maybe God showed you that you are lying on the floor. So that means that is the condition. Dieu peut te dire, tu vas jeûner autant de nombre de jours. God also give you how many days that you are going to fast. Dieu te donne des conditions, tu manges
mangeras comme ceci, tu mangeras comme cela. When I'm not in condition, you are going to eat this or that, solid food or light food or without. Alléluia. Dieu peut te dire tu boiras de l'eau. No, I'm not saying you will drink only water. Dieu peut te dire tu vas porter des sacs. Tu vas te mettre des habits provisés en sac. That's the clothes, not a cloth. It's very beautiful, you know. Dieu peut te dire, madame, tu ne te maquilleras pas pendant un mois. That is, or you not wear. Tu manges pas tout ce que tu veux, mais tu ne te maquilles pas. That is, you can eat, but you don't wear makeup. During the fasting. Il te dit par exemple, tu ne vas pas porter des talons, tu vas marcher qu'avec des sandales. Maybe you say you not wear high heel. En tout cas, il te prive de tes luxe. Il te donne une condition. Yes, giving condition preventing you. Maybe what will distract you. Ça c'est. Avant d'entrer en jeûne. That is before you enter the fasting. Dieu donne. Il a vu la situation. He saw the situation. Et pour donner la solution, il t'appelle. For to grant solution, he called you. Maintenant, il te donne les conditions de jeûne. Now you give the condition of the fasting. Et je viens de t'expliquer. That I just explained. Maintenant, tu es monté à la montagne. Now you are in the mountain. Maintenant, tu es pendant la montagne. You're not in the mountain now. Tu ne peux pas bien aimer dans le Seigneur, monter à la montagne, dans la présence de Dieu. You cannot ascend to the mountain, the presence of God. Ça c'est bon. That is me. Ne pas écouter la voix de Dieu. Not to hear the voice of God. C'est un problème. It's a problem. Ou alors, tu n'as pas respecté les instructions. I mean, not respect the instruction. Si tu respectes les instructions, celui qui t'a appelé n'est pas un fou. Parce qu'il a vu un problème et il doit résoudre ce problème-là. Il doit te parler obligé. Ça, c'est mon expérience. So it's my experience because it's him that saw the situation. I need to solve this situation. So that is God needs to solve it. So except maybe if you don't hear from him, it's because maybe you don't respect the condition that God gave to you. Voilà. Or the condition of the fasting. Nous devons vous enseigner toutes ces choses pour que vous ne négligiez jamais le jeûne. So I need to teach these excuses. So I need to talk about these things for all to regret fasting or to give unnecessary excuse. Et puis des phrases que moi à mon niveau où je regarde, je dis, ils ne sont pas encore matures. Oh, that is in my own level. When I hear some story, I will say this person is not yet mature. Parce que dans le spirituel, il y a des niveaux. Because in spirituality, there is levels. Mais quand tu es déjà un général, tu as déjà un niveau où tu parles avec Dieu. Because when you are already at a high level, quand tu négliges certaines choses, c'est que Dieu déjà te minimise, te déclasse. So when you neglect some kind of things, God already puts you to understand. So then God will know that you don't understand it. L'Éternel dit, je veux la souffrance. Voilà maintenant, Dieu commence à parler. So you can see God said to speak. Par rapport à quoi? But you say what? Alas, au problème de peuple. Donc Moïse, tu es venu pour trouver la solution et maintenant je te parle pour résoudre le problème. You can see God now is trying to solve the problem. The problem of the people is trying to solve it. Donc mon frère, so my brother, ma soeur, maintenant je te ramène à notre niveau. So I'm bringing to our own level. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister, Dieu a vu ton problème. God saw your problem. Il t'a donné les conditions. He gave you the conditions. Maintenant tu es dans sa présence. Now you are in his presence. Il te parle. They will speak to you. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. You will do this, you will do that, you will do this. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habite les Cananéens, les Éthiens, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them out from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the flood Canaanites. Voilà, alléluia. On voit qu'à la montagne,
Moïse. God is debating with Moses. C'est ce qui se passe avec nous bien aimés dans le Seigneur. Debate to communicate with Moses. What is happening? Tu es à la montagne. You are on the mountain. Tu verras par exemple deux visions qui se succèdent, qui se suivent. Dieu te parle. You can see the visions. Then you start to write. Et Dieu te parle encore. God is speaking to you. Pendant les 21 jours, moi je vis beaucoup de choses. In 21 days, I saw a lot of things. N'est-ce pas plus tard que hier, j'ai vu encore des choses concernant l'église de Paris. Even yesterday, I also saw things concerning the church in Paris. Dieu te parle. God is speaking. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, quand tu vas descendre. So when you are going to descend. Alléluia. Ici, je montre ce scénario entre Moïse et Dieu pendant que Moïse est encore à la montagne. So now I'm showing on the scenario what happened between Moses and God when he was still on the mountain. Verse 13. Alors, ça, je voudrais que vous souligniez ça. I would like us to underline this. Parce que, excusez-moi le terme que je vais employer, nous lisons mal la Bible très souvent et nous retenons plus ce qui nous frappe à l'esprit. So our project was to say, sometimes we do read the Bible amiss. We only take what struck us in the spirit. That's what concern of the area we want to take out of the Bible that touches us. Les gens ont toujours dit, we leave the rest. Les gens ont toujours dit ceci. People always say que Moïse avait refusé la mission parce que il ne savait pas parler. People always say Moses refused the mission because he don't want to speak. Alléluia. Amen. Ça vient en deuxième position. So that is the second position, not immediately. Voilà, ça vous a frappé beaucoup d'esprit, beaucoup de prédicateurs ont mis l'accent là-dessus et vous avez oublié le premier. La première objection, c'est au verset 13. The first is verse 13. Moïse d'abord a commencé à dire déjà à Dieu que. Mais regarde, ici déjà, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, quel leur répondrai-je? Tu vois? Donc ici déjà, Moïse avait peur, mais moi, ils ne me connaissent pas ces gens-là. Hein? Qu'est-ce que je vais leur dire? Quand ils vont me demander, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc déjà là, Moïse commence à refuser. You can see when Moses started to debate with God, said asking God, if people are asked, who am I going to tell them? Alléluia. Je mets ça, je ramène ça plus bas pour vous faire bien comprendre. C'est comme si moi, pasteur Victor Macona. So it's like I, pasteur Victor Macona. Vous ne me connaissez pas. You don't know me. Et j'arrive, je vais vous diriger. I just came, not just to lead. Ce n'est que normal que vous vous posez des questions. It's not that you have to ask me the question. Mais, who is this? Who are you? Mais monsieur, nous on ne te connaît pas. So listen, you don't know me. Who are you? Toi, depuis quand tu as commencé à prêcher, monsieur? Hein? When you start to preach, normal. It's normal. Donc ça, c'est déjà ça. Puis Moïse était déjà confronté à ce problème avec Dieu à la montagne. So Moses was debating this with God on the mountain. Et vous le lisez à la maison, vous verrez que Dieu répond, je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Il lui montre toutes les paroles qu'il dit. Et regardez bien. So he showed Moses all the words that he's going to say to the people of Israel. Tout ça sont des choses très importantes. These are very important things. Pourquoi? Why? Parce que, regarde. Là où je vais m'en venir. Where I'm coming from. Si réellement tu es homme de Dieu, serviteur de Dieu. If you are a servant of God, man of God. Tu étais à la montagne. You went to the mountain. Cette parole-là que Dieu te dit de dire aux enfants d'Israël. And this one I'm going to tell the people of Israel. Mama mia, puisque c'est Dieu qui a parlé. As it's God who spoke. Vos cœurs. Your heart. Seront bien assidus et rangés à obéir, à écouter cette parole. C'est lui qui n'obéira pas, il aura son compte avec Dieu. So your heart needs to be at ease just for you to obey and deliver the word God told you to take to the people. So if you don't say it, that means you disobey. You not have your account with God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, je dois bien expliquer ça. So I need to explain this. Et puis, ce qui est très important que j'ai retenu. So what is very important that I got? Dieu dit à
Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération à génération. 15. Moreover, God said to Moses, thus you shall say to the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. Alléluia. Ici, je le ramène encore au niveau de l'église. So you are still beginning to the level of the church. Et ça, c'est l'église déjà. This is the church already. Quelqu'un qui se tient ici debout. Someone is here at the altar. Ce qu'il doit dire au peuple. What he or she needs to say to the people. Ne doit pas venir des commérages, des calomnies qu'il a entendu. Tu sais, elle, hein? Tu sais, lui, et puis il a fait une prédication. Non, ça doit venir là, à la montagne. C'est-à-dire, va, dis au peuple de l'Église universelle de Dieu, ça, je ne suis pas content. So the one that is coming here, the pulpit, you don't need to preach on step because you heard this thing. Let me come and preach it again. Because I'm not to be heard. No, you are preaching it on base on God's said the law, on the one you want to hear. That God said, go and preach this, tell the people, but it knows what people need. Alleluia. Amen. 16. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, met à Paris, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et je vis ce que vous faites en Égypte. Et ainsi de suite, vous lirez à la maison. Vous venez maintenant au verset 20. You can read it now, verse 20. Ah, voilà, parce que je dois préciser le verset 18 quand même. Au verset 18, Dieu a préparé déjà le cœur de l'assemblée. God already prepared the heart of the assembly. Et la Bible dit, ils écouteront ta voix. He said, they will hear your voice. Ils écouteront ta voix. They will hear your voice. Et si ira toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte. And you shall come, and you and the elders of Israel. Ils, j'insiste, soulignant cette phrase si vous voulez. Avec tout le respect que je vous dois, ils écouteront ta voix. See, that will hear your voice. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren, voilà pourquoi je n'ai jamais eu peur. That is why I'm not afraid. Dans mon ministère. In my ministry. Dans quel sens? In which way? Si ce n'est pas ton peuple. If it's not your people. Que Dieu a préparé pour que tu le diriges. If the people that God prepared, destined for you to lead. Ils n'écouteront jamais ta voix. They will not hear your voice. Cette affaire de l'église. This affair of the church. Pour ceux qui se précipitent à être pasteur. For those who are in haste to be a pastor. Bien-aimé dans le Seigneur. Dear brethren. Cette affaire qu'on appelle église. So this affair, this work, mission. C'est une affaire de Dieu et son peuple et de la personne qui va diriger le peuple. It's the affair of God and the people that is going to lead and the God that called the person that is going to be a leader. Et c'est ici où beaucoup des hommes de Dieu échouent. This is where many men of God do fail. Si Dieu n'a pas préparé ce peuple-là pour toi, if God not prepared the people, the members for you, tu vas dans un terrain glissant. You will go to a slippery field. L'église ne tiendra pas. The church will not stand. Parce que ces gens-là, because the people, même s'ils ont, ils ont besoin de la parole de Dieu, even though they need the word of God, mais ils n'écouteront pas ta voix parce que Dieu ne t'a pas prédestiné pour ce peuple-là, pour que ce peuple-là, que tu parles à ce peuple-là et que ce peuple-là t'écoute. They will not hear your word because God is not destined those people for you to speak to their voice, for them to hear you. Très important. Very important. On a compris ça. You understand it. Alléluia. Amen. Et puis, bien aimé, deuxième condition. Vous the voyez, second condition. Vous voyez à chaque fois, lisez ça chez vous à la maison, et s'il y a des questions, on peut le faire pendant les études bibliques, parce que je dois aller vite. You can read it, I'm sorry, there's any question. Et puis, à la deuxième, Moïse, deuxième objection, là,
où Moïse ne veut pas, il refuse toujours la mission. Là, ici, nous venons de voir que Dieu lui a garanti que je serai avec toi. Tu parleras comme ceci, tu feras comme ceci, tu feras comme cela. Because the second mission, where God, where Moses refused, God is not guaranteeing him that. Don't worry, you will go. You are going to do this, you're going to do that. Ah, alléluia. Deuxième fois que Moïse a refusé, c'est au chapitre 4. Verse 4. Même s'il avait parlé avec Dieu. Even though he spoke with God. Mais il a encore peur. They were still afraid. Il cherchait encore une autre raison. He was also sticking for another asking. You know, for the asking, I said, what about if they not ask me, what am I going to tell them? Et là, et c'est ici que ça a même énervé Dieu. Parce so que even God to be angry. Voilà, au verset 10, il dit, ah, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Il s'est dit, Moses said to the Lord, oh my Lord, I am not eloquent, neither before nor since. You have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Alléluia. Et puis vous pouvez lire l'histoire, vous verrez que Dieu insiste, moi-même je serai avec ta bouche, je t'enseignerai. Et puis Dieu va se mettre en colère au verset 14 où il va dire, n'est-ce pas c'est moi qui ai créé la bouche et qui, voilà, je te donnerai ton frère Aaron qui t'accompagnera, qui seront, Aaron sera ta bouche, tu parleras et Aaron sera ta bouche. Alléluia. Amen. Donc, if you read verse 14, you will see that even though God was a little bit angry, in our service, he says, so the anger of the Lord was kindled against Moses and said, is it not Aaron the Levite, your brother? I know that he can speak well. And look, he is also coming out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, à partir de verset 18 maintenant, continue. À partir de verset 18, verse 18, il quitte la montagne avec quoi? Avec la cité l'Éternel. So Moses now left the mountain with Tosiel the Lord. Il va voir son beau-père Jétro pour lui dire, en tout cas, je retourne en Égypte, je vais dire ceci à Pharaon. So he now went to meet his brother-in-law, Jethro. No? Est-ce qu'il a compris? All that God told him. Vous qui négligez le jeûne, vous avez compris ça? So voilà, voilà pourquoi tu as un problème dans ta famille, dans ta maison, un problème pour les enfants. Dieu monte à la montagne, Dieu te parle, et puis tu dis, ah, Dieu m'a parlé. Donc, le problème de mon fils, le problème de ma fille, j'ai compris maintenant, c'était comme ceci. Dans notre famille, j'ai compris maintenant pourquoi les gens meurent, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Dieu t'a répondu et maintenant tu vois, Dieu va te donner des solutions. À partir d'aujourd'hui, faites ceci, faites cela, cette situation va s'arrêter. So that is why when you see there's a problem in your family, in your home, you go to the mountain, God is going to seek the face of God, you want to answer, you want to tell you what to do, what to do. Then you see that problem is going to be solved. Alléluia. Amen. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Je donne tout ça là, après je vais donner vite fait comment éviter d'être dans la distraction. Peter will now tell us how to avoid distraction. Exode chapter 24. Alléluia. Amen. Ici, Moïse, est-ce que Moïse est monté avec le peuple d'Israël ou il était seul? Did Moses went to the mountain alone or the people of Israel? Il était seul. Moses was alone, went to the mountain alone. Nous sommes dans Exode chapitre 24. Exode chapter 24. À partir de verset 1. From verse 1. Je veux expliquer pourquoi. Là, je parle aux généraux de l'église. About the leaders of the church. Alléluia. Amen. Ah. Pour que vous sachiez pourquoi je vous appelle, on a très en jeune, on va faire comme ceci, on va faire comme cela. Why do you call people that we are on fasting to do this, what to do that? Exode 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Combien de personnes regardez? How many people? Now he said to Moses, come up to the Lord. You are Aaron. L'Éternel. Monte vers l'Éternel, toi, c'est-à-dire Moïse,
et Aaron, Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera point avec lui. Alléluia. Alléluia. Mais tu Moses et l'or shall come near the Lord. Vite, vite, vite. They shall not come near, nor shall the people grow up with him. Maman, maman, viens, viens. Viens, viens, vite, vite, vite. Tu viens ici. Alléluia. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. You can see it, dear brother. Il y a le jeûne que nous faisons. There are some fasting. Que ça peut aussi être pour la famille. That can be for the family. Alléluia. Ah, écoutez bien, ici nous sommes une famille chrétienne. Listen, there is a Christian family. Pour vous faire comprendre que même dans la famille, on peut organiser le jeûne pour la famille. For you to know that people can also organize family. Vous voyez ici, family fasting. C'est Dieu qui organise le jeûne. It's God who organized toujours fasting. Toujours. Ce n'est pas Moïse de lui-même. It's not Moses himself. Alléluia. Amen. Il dit, toi et Aaron. He said, you and Aaron. Alléluia. Amen. On suppose que c'est elle, Aaron, en monde. Toi et Aaron, nous sommes là. Alléluia. You and Aaron. Après, il commence à dire, tu prends Nadab, Abihu. On est deuxième. Non, tu laisses ça. On est deuxième étape. Alléluia. Après, il dit à toi quoi? Tu prends 70. On suppose que là-bas, vous venez, maintenant de guerre. Hein? 70. Toujours, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne les conditions. Alléluia. Alléluia. Mais après, Dieu dit quoi? God said what? Pour aller écouter les signes de l'Éternel. To hear God say the Lord. Écoutez-moi très bien ici. Please let me attend to you. Oh, Moïse est celui qui vient de dire à Dieu, je ne sais pas parler. And so the Lord of God, I cannot speak. Et Dieu dit, je mettrai Aaron à côté de toi. C'est-à-dire, I put Aaron beside you. Elle est ma bouche. Moi, je parle. Ma bouche est sa bouche. That is, I speak in my mouth, it's his mouth. Mais ce que je ne comprends pas dans ce scénario. Oh, I don't understand this scenario. La Bible dit ceci. The Bible says, Aaron reste. Moïse s'approchera seul devant l'Éternel. So one will go close and go to the Lord. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? It means what? Ne jouez jamais avec les visionnaires. So do not joke or play with the visionnaires. Celui qui a écouté les signes de l'Éternel. The one that God does says the Lord. Pour amener les gens à la délivrance. To bring people to deliverance. Ça peut être toi pour ta famille. Can be you for your family. Ça peut être toi pour ta famille. Can be you for your family. Dieu t'a appelé toi. God called you. Et après peut-être tu peux associer ta mère ou ton grand frère qui prie aussi. You can also ask your brother or sister. Parce que nous faisons les jeunes en désordre. Because we do fast in disorder. Et lorsque Moïse s'approchera seul, il est question de celui que Dieu a appelé. Il traite avec qui? Yeah, Moses is the one that God spoke. Il ne traite pas avec Aaron. So it's God, it's not that God will speak with me. You have a relationship speak to. C'est comme ces cours que j'ai donné dans l'école du ministère où j'ai enseigné. Beaucoup de gens n'ont jamais compris. Beaucoup de gens ont toujours pensé que Dieu a appelé Joseph. Dieu n'a jamais appelé Joseph. So Joseph était toujours là. Yes. Dieu n'a jamais appelé Timothée. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais Timothée était toujours à côté de Paul. Joseph was always there. He said, was always there. Like the way we die in the church. C'est comme Joseph était toujours à côté de Moïse. Mais so Joshua was always with him. Regarde ça. Est-ce que vous voyez le nom de Joseph? Il n'est même pas là. Il y a le nom de Joshua. Il n'est pas là. Alléluia. Il était toujours à côté, jusqu'à ce que mon ami Tinda, le petit de confiance, quand Dieu va avoir, avant d'appeler les messages, tout dans les 70, là, non, c'est toi maintenant qui connais là,
Mais au départ, est-ce que vous voyez le nom des choses? Non. So in the beginning, it was not Alléluia. It was error. That's when error also Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons le jeûne? As the show. Avant, pendant et après. So the world has come fasting. Before fasting, during the fasting, and after. Mais ils sont montés à la montagne. But they all went to the mountain. Ils sont montés à la montagne. But they all went to the mountain. C'est-à-dire à cette époque-là, il y a la tente de destination. That is that period there is a place of waiting for waiting place. Alors si j'allais même parler. Bon, maintenant la tente d'assignation maintenant voilà. Ils sont dehors de la tente d'assignation, mais ils sont à la montagne. Ils sont à la montagne. Mais maintenant, très bien. Maintenant, qui va entrer à la rencontre, c'est moi seul. So who is going to meet the Lord? Je rentre maintenant tout seul. Alléluia. C'est pour dire que même si Aaron était associé pour parler, even though Aaron was there to speak, mais c'est lui qui était mis en condition pour écouter, parler les instructions et venir dire aux autres, c'était Moïse. So Moses was the one that God spoke to, that would go and tell others. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons comprendre qui va faire 40 jours et 40 nuits. So now we understand who is going to fast for 40 days and 40 nights. Amen. Amen. Bon, vous asseoir. Merci beaucoup pour moi. God bless you. Alors, la Bible dit ceci. Moïse s'approchera seul. Voyez que Dieu donne toujours des conditions. Tu ne peux pas dire que tu es dans la présence, tu es dans le jeûne, un jeûne sans condition. You cannot say you are fasting. Un jeûne dans la pagaille, dans la présence de Dieu. A fasting without condition, a fasting with division, that is no direction. Celui-ci vient dire, pasteur, moi je ne peux pas parce que ceci. L'autre vient dire, pasteur, moi je viens de mon 21 jours, hein. Moi je viens de mon 3 jours, moi je viens de mon tant de jours. Et il descend ou elle descend, sa solution n'a jamais changé. So, sa situation n'a jamais changé. You know that you come and say, pastor, you know me, I just came out from 40 days and 40 nights fasting, 21 days fasting and fasting. No, you know, no, and your situation, no. What you thought said the Lord? Because there must be a change in who you are. When you finish that part, must be a change. One area must be, you know, a area. Doit changer. Even your spiritual life, let me let you know. Now that you have spiritual. Very well. Il y a des choses que tu dois parler avec Dieu, que tu dois corriger dans la famille, que tu dois corriger dans ta vie, que tu dois corriger dans l'église. Si cela ne se passe pas, il y a un problème. Voilà pourquoi vous venez. Moïse, à un moment donné, discuter avec Dieu, en train de dire, regarde le peuple que tu m'as donné. Et Dieu aussi m'a dit, c'est ton peuple. So you can see, there was a moment when you had one side discussing with God. In the point, you look at the point you gave to me, that with your character, when I also say, it is your people. Au verset 3, Moïse, voyez, il est monté à la montagne, il descend avec quoi? La parole de Dieu. Moïse, so he went to the mountain and he came down. Verset 3, Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit, vous voyez ça? Vous voyez ça? You see that? C'est clair. It's clear. C'est clair. Dieu lui a parlé et il vient dire au peuple. God's authority came to tell the people. Quand tu parles dans une église, when you go to a church, tous les enseignements, les prédications sont les vies d'un tel, la vie d'un tel, la vie d'un tel, c'est la manipulation qui est là. So when you see that the preaching is always what you hear, what always you come and say, l'homme de Dieu est manipulation. Tu vas être l'homme de la montagne, aller chercher là, laisser Dieu l'éternel pour le peuple. So the man of God is to be a man of the mountain, always on the mountain, seeking to hear the Lord for the people. Voilà pourquoi bien aimé de le Seigneur. That is why, dear brethren, ce sont des choses que Dieu m'a donné depuis longtemps. They are the things that God gave to me a long time ago. Voilà pourquoi, quand tu viens me dire, ah, papa, tu commences à prêcher la vie des gens ou le truc des gens, ça m'étonnerait beaucoup. De la manière dont je me connais, je ne fais pas Dieu devant vous, mais ça m'étonnerait beaucoup.
So, don't come and tell me that, oh, pastor, le peuple entier me répondit-il de même voix. Vous voyez ça maintenant? Il a quitté, il a quitté, il est venu et dit au peuple, Moïse, le peuple. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva le bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Nous continuons cela, bien aimé dans le Seigneur, au verset 9, vous pouvez le lire. Et je vous la Moïse monta avec Aaron là-bas, tout ce qu'on a cité là. Et puis, voilà. Ils montent ici. Ici, ils ne sont pas au mont Horeb, ici, au mont Sinaï. Ils sont au mont Sinaï. Non, they are not in Mount Sinai. Alléluia. Yes. Ça, c'est le premier jeûne de Moïse pendant 40 jours, 40 nuits. It was a commandment of Jesus. First passage of Jesus, of Moses. Alléluia. Amen. Je vais lire seulement le verset. Le verset. 15 pour vous montrer que quand on est à la montagne, quand on descend, en tout cas, on vient avec la parole de Dieu, mais on sent son corps léger. On sent que, on sent la lumière. Alléluia. So, I'm not sure about verse 50, but also, when you go to the mountain, you are dark. Verset 15. You go to the mountain, you say you are light. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée les couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme le feu brûlant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Qui a fait 40 jours, 40 nuits? Who fasted 40 days and 40 nights? C'est Moïse seul dans la présence de Dieu. In the presence of God. Alléluia. Amen. Mais avant les 70 étaient à la montagne, mais en dehors. Alléluia. So the Aaron and all that were also in the mountain, but outside. Donc avant. Before, pendant, on doit parler avec Dieu. Quand on finit le jeûne, on descend avec la parole de Dieu. Il faut toujours que tu vérifies. J'étais en jeûne. Je suis descendu après le jeûne. Pendant, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Si Dieu ne te dit rien, il y a un souci. Moi, il y a des gens parmi vous, j'ai appelé, j'ai dit, ah, regarde, Dieu me montre ça. Et puis, Dieu me montre, ça se répète à chaque fois. So, when you go to the mountain, before the mountain, and you God needs to reveal to you, and you have to descend from the mountain of the word of God. God needs to show you something from that mountain. From my family. Dieu doit te révéler le grand sorcier de la famille que tu as chaque fois. C'est ce qu'il fait. So I put my family, God needs to reveal what is happening in my family. Alléluia. Amen. Exode 34. Esther 34. Exode 34. Esther 34. Ça, c'est le deuxième 40 jours, 40 nuits de Moïse. This is second 40 days and 40 nights of the fasting of Moses. Vous voyez, toujours ça commence. Toujours ça commence. C'est Dieu qui parle. It's Dieu qui organise tout. It's God who organizes everything. Je ne te dis pas, bien aimé, de moi. Le jeûne que je fais 2 jours, mardi, jeûne pour l'église, c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Moi, le samedi que je jeûne pour préparer l'église, c'est le Seigneur qui me l'avait dit. Victor, tu jeûneras deux fois la semaine. So, even the first day I do fast, Tuesday and Saturday, it's God who told me. Dans la Bible, vous verrez les disciples de Jean-Baptiste. You can see the disciple John the Baptist. Il jeûnait. He fasted. Presque tous les jours. Almost les pharisiens, par exemple, et les sadducéens. The Pharisees and Sadducees. Alléluia. Amen. Mais vous connaissez l'histoire, non? Mais les disciples de Jésus, est-ce qu'ils jeûnaient? Quand on les a posé la question, mais pourquoi pas tes disciples ne jeûnent pas? Il dit quoi? Il dit, comme moi-même je suis encore là, ils ne jeûneront pas. Quand le Fils de l'homme partira, ils jeûneront.
Alléluia. Amen. C'est vrai, ça va nous falloir cette assistée de l'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme le premier. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. And the Lord said to Moses, cut two tablets of the stone like the first ones, and I will write on this tablet the words that were on the first tablets. Vous les lirez à la maison. You can read that. Vous verrez que c'est toujours Dieu qui organise les choses. Because there's always one to organize. Ce n'est pas bien, tu déclares ton jeûne, tu montes à la montagne. C'est bien, je vous encourage. You can also declare fasting for yourself. I'm encouraging you to do that. Très souvent. So you see some situation, your dream. You can also go to the mountain. Allez-y, lire encore Esther. Vous venez, l'histoire de Esther. Daniel, vous venez. Comme, the story of Esther, Daniel, voilà, the fasting. Voilà. Quand Daniel s'est habillé en sac, il y avait une condition. Il y avait quoi? Déportation. Toujours une situation. Always a situation that voilà. Leads one. Voilà. Et là, c'est Daniel qui se décide. He died and decided. Ah, mais on en parlera peut-être la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Alors, Exode 34. Exode 34. Ce qui m'importe pour Exode 34. Là, c'est le deuxième jour, c'est le deuxième 40 jours, 40 nuits de Moïse. So the second fasting of 40 and 40 nights of Moses. Alléluia. Amen. Maintenant, je parle de l'après-jeûne. So let's talk about after fasting. Quand tu descends de la montagne, when you descend from the mountain, évite la colère. So avoid anger. Évite la colère. Oh yes, avoid anger. Alléluia. Amen. Après le jeûne, after the fasting, comme moi, vous pouvez demander à ma femme, la diaconesse. You can also ask deaconess. Après le jeûne de 21 jours, after 21 days of fasting and prayer, je pense que c'était un mardi ou un mercredi. I think it was on Tuesday. Avant que on monte à la montagne, before you know, we are je fais un jeûne pour me préparer. No, I do fasting to prepare myself. Et après le jeûne, and after the fasting. Alléluia. Amen. J'ai jeûné encore un ou deux jours. Also fasted one or two days. Pour me garder en condition spirituelle. That is to keep my spiritual intact, my spiritual life intact. Pourquoi? Wow. La diaconesse l'a expliqué dans un des cultes là qu'on faisait en ligne. La plupart du temps, puisque sometimes, puisque 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit, les diables rôdent toujours autour, cherchant qui dévorer. As the devil is in the book of 1 Peter 5, 8, the devil is roaring like a roaring lion, seeking for whom to devour. Après le jeûne, after fasting, très souvent, often, après le jeûne, très souvent, often, c'est le diable qui vient à ta rencontre. It's the devil that is coming to meet you. Pour te tenter. To tempt you. Tu dois être fort. You should be vigilant. Watch. Tu dois être vigilant. Voici le vent. Prudent. Voyez, Jésus, comme il était la parole, il a répondu par la parole. Et la Bible nous dit clairement, vous connaissez Matthieu 4, 1 jusqu'à 11, la Bible dit quoi? Et le diable l'a quitté dans sa présence. Il s'est enfui. Alléluia. Or, très souvent, beaucoup des hommes de Dieu, souvent même, je parle des hommes de Dieu, même pas les membres de l'Église, même les hommes de Dieu, even the men of God, ils viennent de la montagne. They just came out from the mountain. Ils descendent. Came out from the mountain. Le même jour, les bêtises commencent, comme s'ils n'étaient même pas à la montagne. The same day, they start, you know, they go back to their old way. Très attention. Be careful. Après le jeûne, after the fast, oh yes, continue à demeurer dans la présence de Dieu. Continue to dwell, to stay tight. Parce que le Dieu va se faire des vigiles. Il te regarde. Even when you ask for the devil is looking. Parce que même pendant ton jeûne, regarde ici. Moïse est en train de descendre. Moïse, verset 29. 29. Moïse est descendu de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables de témoignage.
témoignage dans sa main. Quand il descend, regarde ce qui se passe. What's happened? Je vais là où il y a des cris, hein, là où il y a des cris, là où il va casser le détail. D'abord, il est rayonné, ça c'est bien. Hein? Quand il descendait, lisez ça, c'est une belle histoire, bien aimé. C'est une wonderful story. You need to read it here, brother. Alléluia. Amen. 18 à 28, vous verrez. Moïse 28, Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. Les paroles de l'Alliance, c'est ce qu'il a donné tout c'est ça. Le 29. C'est 29, hein, maman. Où il va casser les détails. Non, quand il est descendu, il est rayonné, c'est 29. Oui, mais je cherche là où il s'est fâché. Il vient de jeûne, mais pendant qu'il descendait, je passe là, le premier qu'on avait lu. It's not 34, yeah. C'est Exode 32, verset 12. Exode 32. Exode 32, 12 à 19. Lisez ça bien aimé dans le Seigneur. Moïse retourna et descendit de la montagne, le véritable du témoignage dans la main. Je suis au verset 15. Hein? 15, 15. Hein? Moïse retourna et descendit de la montagne, le véritable du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Non. Vous passez ça. Écoutez, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Alléluia. Et comme il approche du camp, il vit le veau et le danse. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et le brisa au pied de la montagne. Alléluia. Amen. Je prie que cela ne t'arrive pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prie que this will be our portion that name of Jesus. Que cela ne t'arrive pas au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. We spread the spirit of anger for our lives in that name. Alléluia. C'est-à-dire après le jeûne, after fasting, il faut continuer de prier. One, you continue to pray. 1 Thessaloniciens 5, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17, pray without ceasing. Ou Luc 18, chapitre, oui, verset 1 à 2. Luc 18, 1 to 2. Pour te conserver toujours en condition pour garder tes bénédictions. Right, to preserve your condition, spiritual state and blessing. 2. Après le jeûne, second, after fasting, éviter la distraction car les diables rôdent autour cherchant quelqu'un dévoré. So avoid distraction because the devil is showing like a roaring lion seeking to devour. 1 Peter 5, 8. 1 Peter 5, 8. 3. 3. Après le jeûne, after fasting, Deutéronome chapitre 7, verset 11. Deutéronome 7, 11. N'oublie pas les commandements, n'oublie pas ce que tu as reçu à la montagne, les paroles qu'on t'a dit, n'oublie pas. So do not forget the word you heard from the mountain, that what the Lord told you. 4. 4. Après le jeûne, after the fasting, ne brise pas les tables. Do not destroy the tablets. Alléluia. En d'autres termes, ne tue pas, ne brise pas, ne détruis pas la bénédiction que tu as reçue. Do not destroy the blessing you got. Alléluia. Amen. Ne détruis pas la bénédiction que tu as reçue. Do not destroy the blessing you got. Do not quench the spirit. Alléluia. Amen. Et cinquième chose, the fifth, ne retourne pas dans le monde. Do not go back to the world, to your old nation. Dans les cris, in cry, alcool, danse, tout de suite, parce que les tentations viendront. But the joke comes. Les tentations viendront. Temptation invitation, comes. Par exemple, allons à la fête d'un tel.
Invitation to the party. Et quand tu pars à la fête, tu commences à danser les danses mondaines. You go to the party, start to dance mondaine dance. Tu bois l'alcool. You drink alcohol. Et tu oublies que tu étais en jeûne. And you forget that you were in fasting. Et tu perds tout. Then you lost everything. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Le 12 avril, j'ai respecté le temps comme ça. On va manger la Sainte Cène.